Oh non. Non. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle, I must not surrender. Ok. Bon. Bienvenue dans l'épisode 19, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, 4K 60 FPS et installez-vous bien. Et c'est parti pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake. Ah bah, à défaut de pas pouvoir save, on continue, j'ai envie de vous dire. Oh, ils m'ont bien feinté, les salauds. Hein. Ils m'ont très très bien feinté. Allez, deux épisodes en un. Let's go. Ah. Use this. Oh, wow. Fin de chanson. Le dernier couplet conclu. On est en train de réécrire le truc. Ben voilà. Let's go. Il y a quasi et tout, je suis mort. Oh, waouh! De re. Moi qui me disais que ça ne pouvait pas être plus étrange. Re-retour. Raccourci. Ah ouais, pourquoi. Ok, gros medikit, ça va aller là. Ça. Voilà. Aider. Quitter le stud. Oh, champion of flight. Sympa, non? Herald of darkness. Lost in the. Fin de la partie. Biographie complète. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, je sais pas ce qu'on vit, hein. Je sais pas ce qu'on vit, mais c'est un délire de fou. C'est là, ça fait 4 épisodes, comme Spider-Man. Hein. Là, on enchaîne des épisodes, mais de folie. Je sais pas ce qu'on est en train de vivre, mais c'est incroyable. Fouf. Allez. Ah, putain, une save. Alléluia. C'est parti. Bah alors ? Voilà. Bon, mine de rien, les amis, on a combien de temps de jeu, là? Laissez-moi checker. 9 heures de jeu. Incroyable, trop stylé. Et là, on peut retourner, si on veut, avec la bichette. Hein. Mais on va rester un petit peu avec Alan Wake. Oh non, de retour à... Oh non. Ce spectacle auquel s'adonnait l'entre-noir, il m'était vraiment destiné. Mais je n'avais aucun contrôle sur lui. Je savais combien j'étais perdu. Le téléphone sonnait encore. L'appel mystère recommençait. Non, je bâtiment. Devais enquêter. Il n'y a plus de grand bâtiment. Alan Wake, vous savez qui je suis? Comment je pourrais le savoir? Oh, quel foutu caractère. Heureusement que je suis pas un paparazzi. Vous vous foutez de ma gueule et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes. Vous vous souvenez? Vous... Oh, bordel. Alan,
faut vous souvenir au juste. Vous êtes allé à Parlamento, hein? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Ouais. Alice est en danger. Grincement essaie de l'atteindre. Et il y a un autre manuscrit. Pas Initiation, Return. J'ai vu la page de titre. Je me souviens pas l'avoir écrit. Return? Bon sang, c'est exactement ce qu'on cherche. Grincement peut pas l'avoir. Notre survie et la survie de tout ce putain d'univers cosmique en dépendent. Venez me voir à l'hôtel Ocean View. Je vous ai laissé la clé de ma chambre. Elle est sur le téléphone. Rappelez-vous, l'entre-noir n'est que boucle et rituel. Si les vagues vous éloignent de la rive, vous devez trouver une autre façon d'entrer. Nous suivons le mouvement de cet océan. À bientôt, mon frère. À bientôt, mon frère. What the fuck? L'hôtel Ocean View. Une invitation suspecte à un rendez-vous très louche. Un décor parfait pour le genre polar dans lequel baignait toute la ville. Porte verrouillée. Où est ce putain d'Ocean View? Il est là. Ok. C'est parti. Voilà, ça vient de s'allumer. Let's go. Ah, je retiens ma respiration tellement c'est... L'hôtel Ocean View. Ma destination. Tellement c'est la folie ce qui se passe. Oh, waouh. Ok. Elle est longue l'entrée, sa mère. Elle est longue l'accueil. Une boucle qui m'avait renvoyé dans la rue. Qu'avait dit la voix au téléphone? Si les vagues ne cessent de te repousser, tu n'as plus qu'à trouver une autre entrée. Avec seulement une logique onirique pour rejoindre l'hôtel, je me repérais aux enseignes lumineuses. Mirror Park ? C'est lumineuse, les gars. Moi, je vois des flèches, là. Je vois des flèches qui m'emmènent là-bas. Ça fait du bien, un pot de pause, parce que, mine de rien, le truc musical était très, très cool. On s'est bien battu. Stop ta mire! Wesh! Il m'a savate à l'infini, frère! L'histoire choisissait où je pouvais aller et où je ne pouvais pas. Oh non, non, non! Ok. Je l'ai tué pour rien, en fait, la flèche, elle me disait d'aller là, j'ai le seum. Initiation, c'est ici. Okay. L'histoire que je concevais était fragile, constamment menacée. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'ombre noire n'était qu'à un pas derrière moi. Ok. Oh, moi je veux juste pas retourner dans le métro. Ouais, dans le métro c'était chiant. C'est, voilà, je vous le dis. J'ai pas honte. Le métro c'était caca. J'aime pas les métros. Attends, y a sûrement un petit truc derrière, non? Une petite surprise. J'ai pris des coups gratos, j'ai le seum. Je suis dépité. Ah. Eh bien non, pas de petite surprise. Ok. Et ben on continue. Ouais, cette ombre, je pensais que c'était pas une ombre menaçante. En fait, c'était une ombre qui disait, frère, va pas par là, ça sert à rien. Encore quasi qui va mourir? C'est vous, le tueur, le gourou de la secte. Ça se voit dans vos yeux. Non! Vous vous trompez d'homme! C'est Grincement! Il n'y a pas de temps à perdre! Je n'irai nulle part.
sentais crever. Je voulais juste que ça s'arrête. Tout était de ma faute. J'avais eu l'entre-noir dans ma tête trop longtemps. Toute cette putain de merde. Il m'arrivait d'oublier la douleur comme si c'était une chose parfaitement normale. C'est du délire, non ? C'était l'inverse. Je n'étais pas dans l'entre-noir, c'était moi l'entre-noir. La source de tout, le conduit. L'auteur et moi, on était pareils. Ce lieu ne cessait de m'enfoncer, s'insinuait dans ma tête, m'empoisonnait de ténèbres. Je devais trouver un moyen de m'enfuir avant qu'il soit trop tard. Encore une fois. Chambre 665. Bizarre. Ça s'arrête à un numéro près, c'est ça ? Ah. Ok, bon, il y a sûrement un bonus là-bas. Ok. Merde, on peut vraiment passer ? Oh, waouh ! Ok. Et un autre bonus ici. Ok ! Faut vraiment... En fait, pour voir ce qu'il y a dedans, faut vraiment mettre la caméra au bon endroit. Non. Ok, on est bon. Attends. Ça veut dire que je la prends la lampe, c'est ça ? Vas-y, je vais la prendre. Je préfère avoir plus de lampes que pas assez, comme on dit dans le milieu. Waouh ! Déjà venu ici, hein ? Ok. Je dois suivre Mirror Peak toujours. Alice, toujours, hein. Alice est ma femme, hein, je le rappelle. On a réussi à sortir de l'entre-noir dans Alan Wake 1, justement. En fait, on a pris sa place, on l'a sorti de l'entre-noir et moi, je suis allé dans l'entre-noir à sa place. Je fais des petits rappels au cas où. Ok. Why not? Très bien, très bien. Écoutez, on continue, hein, on a l'air d'être sur le bon chemin. Par contre, j'ai 4 ampoules. Hein. Oh, waouh. Ok. Ça va pas. Ça va être dur, hein. Il a l'air d'être vrai. Chier. Alan Wake, je vais mourir. La lampe, je le sens. Oh, waouh.
C'est si dur. Ok. Ouais, je suis pas serein, c'est infernal. Hein. Une petite save, libération. Libération, libération, libération. Oh là là, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ok, on est reparti. Eh bien. Allez. Fils de pute. Ok. Alors attendez, c'est censé être un tout petit peu en hauteur, ok? Mais... Cette ville nous dévore. Si jamais on s'y attarde trop, on devient une âme perdue qui erre dans les rues, dans les ruelles. Une ombre estompée qu'aperçoit un autre pauvre type en bonne voie pour le même destin. Les rêves brisés deviennent un miroir brisé et l'image tordue qui nous est renvoyée contient tout ce qu'on a réprimé. Colère, regret, remords, honte. Ce monstre auquel on ne peut jamais échapper. Bon. Mais non, le... Il y a trop de petits coins, de petites conneries là. Une planque, ça j'aime bien. Oh. Encore ? Il est où ce con ? Oh ? Oh ? Oh ? De la peinture ? Très bien. Return. Ok. Par contre, j'ai entendu chuchoter. Donc, quand j'entends chuchoter, on sait qui c'est. C'est le frérot de Quantum. Quantum Break. Alors, où est-il ? Ok. Aucune idée. Bon. Une autre. Ici. On récupère une autre petite planconnette. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Let's go dans mon antre. Pourquoi, les amis, pour ça? Augmente votre santé maximum de 35%. Augmente la quantité de santé maximum restaurée dans les abris de 30%. Ça, c'est pas mal. Lorsque vous êtes à découvert... ok. Je vais augmenter la santé, en vrai. Ça me paraît pas mal. Offre 5% de chance de ne pas consommer de munitions lorsque vous tirez avec le revolver. Augmente la puissance d'arrêt du fusil de chasse. Mais je l'ai même plus, le fusil de chasse. Augmente la zone d'effet des projectiles du lance-fusée. Ah ouais, ça c'est cool. Le lance-fusée, il est vraiment abusé, les gars. Ok. Pas mal. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je viens de par là, moi, les gars. Je viens de là. Comment c'est possible? Alors, attendez. Enfin, j'ai bien compris comment c'était possible, mais... Regardez. Regardez. Je pouvais voir l'hôtel Ocean View. Quoi? Oh. Oh. J'approchais du but. Comment je... Je pourrais checker un truc ici.
Mais alors, où? Putain, c'est obscur en bas. Oh, waouh! Il y a un truc en bas. Alan Wake. Il y a un truc en bas. Je le veux. Je l'ai vu, je le veux. Ça donne des... Ça donne des trucs extrêmement puissants. Je veux ma drogue. C'est pas tout, hein. On va se le mettre maintenant si je puis me permettre. Un mode aide, qu'est-ce que ça peut être? Augmente la zone d'effet des feux à main de 13% et sa durée d'une seconde. Augmente l'efficacité des pansements, incroyable. La Allez hop, efficacité des pansements, rien à péter. Hein. Ok, allez, let's go. Let's go, let's go. La lumière changeait ce que la porte cachait. Oh waouh! Ok, ça me plaît. Restaure 100 de santé par seconde lorsque vous amplifiez la lumière de votre lampe torche sur une ombre hostile. Offre 25% de chance de récupérer une charge de lampe torche en tuant un ennemi. Offre 10% de chance d'étourdir les ennemis en amplifiant la lumière. Restaure 100 de santé par seconde lorsque vous amplifiez la lumière de la lampe sur une ombre. Ça, pour récupérer sa vie, ça a l'air cheaté de ouf. On va l'essayer tout de suite. Oh, waouh! D'accord. Et comme ça, par conséquent, je peux faire déjà demi-tour. Là, je peux remettre la lumière ici. Et comme ça, ça va m'emmener de l'autre côté. Et il y aura plus... Voilà. Bon. Il y a les escaliers à la place du château d'eau. Ok. Et ben voilà, l'entrée de l'hôtel. Ah. C'était évident. C'était évident. Tester nos nouveaux cocktails. Tester nos nouveaux cocktails. Évident. Le menu du bar attira mon regard. Ah. Manhattan. Bah Manhattan 2000. Manhattan Ah non, Ocean View Cocktail. 25,50. Alors, 2000. 20,50 ou 25,50. Voilà, voilà ce que j'essaierai.
2000, 25, 50, 20, 50. Attends, et si je fais ça à l'intérieur, un petit bonus, quelque chose. Ce fusil à pompe m'aiderait. Pourquoi je peux pas le prendre? Inventaire plein. On va y remédier très vite. Très très vite. Ok. Inventaire plein encore. C'est ça que j'ai en trop là, oh les gars. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est trop ça. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est trop ça. Non, non, j'ai trop de trucs là. J'ai trop de tout. Trop de tout, besoin de rien. Non, j'ai trop de trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah en vrai, jeter un. Jeter un. Voilà. Ça, déplacer. Ça, déplacer. C'est bon là, non? Ah ouais, Moray. Voilà. Allez, là tu me régales. Là on parle la même langue, toi et moi. Les analgiques, je les utilise même pas, donc va les couilles. Ok. Raccourci. Allez, ça va aller là. Très bien. Donc 20. 20-50 ou 25-50. Vous avez compris? C'est trop. Ok. Allez. Non. Non plus, donc c'est 25-50. Ok. C'est fait. Bonjour, bonjour. Ok. Ok. Bon, on est enfin dans cet hôtel. Je vais peut-être pas prendre ça. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il va pas me refaire plaisir. C'est bon. L'entre-noir, hôtel Ocean View. On est donc dans l'entre-noir, mais dans une autre réalité où j'ai pas réussi à sortir de l'entre-noir la première fois. C'est bien cela? Waouh. Peut-être une petite save, hein, je dirais pas non. Hein. Qu'en pensez-vous? Bonsoir, bonsoir. Ok. Tiens, il est quelle heure dans l'entre-noir? Il est 3h du matin. 3h15 du matin. Elle est là, la chambre, les amis. Ok. Dans la chambre, il y avait le projecteur. Vicieux. Le film était-il un message qui m'attendait? Ok. Thank you.
Dans ce temple fait de ténèbres et de brumes, il y a une fenêtre au sol et une porte au plafond. On ne peut savoir si je suis assis, si je cours, ou suis-je à genoux. Alors, c'est vous qui m'avez appelé ? En effet, je suis Thomas Zane. Bienvenue dans la maison de Zane. Le poète, le plongeur. Vous avez mon visage, comment est-ce que... Ou alors, c'est vous qui avez le mien, espèce de beauté diabolique. Le plongeur n'était qu'un personnage que j'ai incarné dans un de mes films. Je suis un réalisateur et un auteur de renom. J'ai besoin de réponses. Pourquoi Return est si important ? Qu'est-ce qui... Alan, vous êtes toujours tendu comme c'est pas permis. Je vais vous servir un verre. Vous et moi, Alan, on fait tout ça ensemble. Nous sommes deux artistes qui collaborons, vous vous souvenez ? Nous forgeons la clé de notre fuite. Votre plus grande œuvre, Return, et son compagnon, son frère jumeau, mon film. Nous partageons ces visions bouleversantes. Nous fusionnons nos esprits supérieurs. Pour concevoir une œuvre d'art qui transcendra le monde. Ici, dans cette chambre. J'ai besoin du rupteur. C'est Return. Parce que on revient. Et voilà comment la magie a opéré. Ça suffit les conneries maintenant. Alice est en danger. J'ai besoin d'une nouvelle scène de crime pour aller plus loin, pour retourner à Parliament Tower. Grincement est... Votre femme va bien, elle est revenue dans le vrai New York. Mais Grincement essaie de l'atteindre via un amalgame. Return est la clé pour pouvoir échapper à l'entre-noir. Vous devez le récupérer avant que ce monstre le fasse. Il y a une scène de crime ici, dans l'hôtel. Laissez donc les vagues de l'écriture vous y emmener. Y'a quelqu'un ? Ils sont après nous. Si quelqu'un vous demande, vous n'avez jamais été ici. Thomas Zane avait conclu notre entretien sur un ton paranoïaque. J'avais ce que j'attendais de lui. Il y avait une autre scène de crime dans l'hôtel et elle pourrait m'aider à prendre la fuite. Je devais m'écrire une issue. Ok. On va aller regarder la scène de l'autre côté alors, n'est-ce pas ? Quasiment des ondes de la police me tenaient éveillé. Le mot à travers les terres. Un meurtre en marge d'une pièce de théâtre mentionnant une secte meurtrière. On fait pas plus méta, dit-il en regardant la caméra d'un air complice. Je sentais la patte de la secte du mot et de son chef, Monsieur Grincement. Celui qui ne serait qu'Alan Wake, l'écrivain disparu depuis des années. L'hôtel était un cadre idéal pour une intrigue de Casey. J'étais sur la bonne voie. Ok. Je commencerai par la réception. Les gars, il y a un monde où je peux save quand même, parce que... Comment c'est tendu du cul tout ça, hein? La réception donnait l'ambiance. Tout le monde y était entré. La victime, l'assassin et l'enquêteur. Une idée, nette comme une vision, m'attendait ici. Ok. Ouais, très bien, très bien. Il y a un truc là, hein. Carte de l'hôtel, c'était évident. Donc,
vous le metteur en scène de la pièce ? Ouais, c'est moi. Notre représentation de la secte se tapait la poisse depuis le rituel d'avant-scène. La secte est en fait une expérience théâtrale immersive. Mmh. Eh bien, il va falloir m'expliquer tout ça. Du théâtre immersif. Une pièce qui inclut le public et qui se déroule dans tout l'hôtel. La secte est une légende. Le seul exemplaire du manuscrit ayant disparu, les compagnies théâtrales se la transmettent au... Ah merde, faudra le revoir. Alors attendez. Oh c'est bon, on va save. On va save les amis, on reprendra ça lors du prochain épisode, vous l'aurez compris. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake, évidemment. Bye bye tout le monde.